demander à l'Esprit des yeux qui donne vie, de pouvoir donner vie à sa parole, de pouvoir donner vie à nos êtres pour recevoir sa parole, la parole du Seigneur. Cette parole qui nous change, qui nous transforme. Saint-Esprit, qui donne vie, soit animé dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, ta soeur, à ta gauche ou à ta droite, en lui disant que le Saint-Esprit ranime en toi le feu pour le Seigneur. J'aimerais commencer par bénir le Seigneur pour la présence de chacun de nous et surtout de rendre grâce à Dieu pour nos vies et aussi d'être reconnaissant au Seigneur pour vous, pour l'apôtre ici représenté par Maman Lydie qui est là, pour voilà, la marque de confiance. Et je dis merci à l'apôtre. Que Dieu me bénisse. Ce matin, nous voulons parler d'un message que j'intitule Le cycle du mouvement divin. C'est un message que j'ai partagé avec le frère Hervé un moment. Le cycle du mouvement divin, le mouvement de Dieu, le cycle du mouvement divin. J'aimerais nous proposer trois textes. Le premier texte, c'est dans Actes, chapitre 17, verset 28. La partie B, j'aimerais lire ça, Actes 17. Acte 17, verset 28, partie B. La Bible dit ceci: car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Un deuxième texte, Genèse, chapitre 1er, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. Donc, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Un troisième texte dans Ézéchiel chapitre 37, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Ce matin, nous voulons parler du cycle du mouvement de Dieu. Quand on parle d'un cycle, tout de suite on comprend qu'il s'agit d'une série, d'une succession de choses. Quand on parle d'un cycle, c'est une succession
des phénomènes, mais qui arrivent dans un ordre immuable, un ordre qu'on ne peut pas changer. Je donne un exemple. Si le comptage va de 1 à 10, c'est l'ordre que nous connaissons. Quelqu'un ne va pas apparaître aujourd'hui pour changer le comptage. Bon, moi, je commence à compter de 10 à 1. Ouais. Et la preuve est que quand on veut compter de 10 à 1, on part de l'ordre décroissant. C'est-à-dire qu'il y a déjà un changement là-bas. Donc, quand on parle d'un cycle, on parle de quelque chose qui se répète. Une succession d'événements, des phénomènes, d'événements, mais de manière immuable, qu'on ne peut pas changer. Nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Quand la Bible nous parle de la semaille et des moissons, tu ne vas pas semer l'avocat, tu vas pas semer une graine. Bon, tu vas pas semer une graine de maïs pour récolter la mangue, par exemple. Ouais, ça c'est un cycle qu'on ne peut pas changer. Et avant que l'arbre ne produise, l'arbre doit mourir, il doit d'abord être planté pour que ça sorte. C'est vrai, c'est un cycle qu'on ne peut pas changer. Donc je ne pourrais pas venir et dire, moi je commence l'avocat, bon, à part au jour de la création, où Dieu a fait appeler les choses. Je ne peux pas venir dire que moi je commence l'avocat par l'avocatier. Non. Il y a un cycle que Dieu a placé. Il y a un cheminement. Et quand on parle du mouvement, ouais, le mouvement est défini comme le fait de déplacer un corps. Déplacer un corps ou bien un changement de position. C'est ça le mouvement. Un déplacement ou un changement de position. Eh bien, s'il faut redéfinir un peu ce thème, j'aimerais donc parler donc du cycle du mouvement de Dieu. C'est comme si on veut parler de... Il s'agit d'une succession de déplacements et de changements de position imposés par Dieu dans un ordre immuable. Une succession de déplacements et de changements de position imposés par Dieu dans un ordre irréversible. Et tout de suite, on comprend que la parole de Dieu nous présente Dieu comme un être qui est en mouvement. On l'a lu, Genèse chapitre 1er, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux. Vous savez, le mouvement des yeux n'a pas commencé à la création. Avant le temps, il y avait déjà Dieu qui était en mouvement. Dieu a toujours été en action. Dans le temps, Dieu était entré en mouvement. On l'a vu à partir de Genèse, il a commencé à créer toutes choses. Donc, il a commencé un mouvement dans le temps. Même après le temps, Dieu sera en mouvement. Le temps dont je parle ici, c'est le temps chronos, le temps qu'on peut compter, le temps que l'homme peut compter, mesurer et encadrer. Ouais, mec, avant le temps, c'était l'éternité, Dieu était en mouvement. Après le temps, ça sera aussi l'éternité et Dieu va rester en mouvement. Amen. J'aimerais que nous puissions déjà prendre cette base, c'est que nous sommes en train de servir un Dieu qui est en mouvement. Donc, si Dieu est en mouvement, nous sommes obligés d'être en mouvement. Parce qu'il nous a créés pour lui ressembler. C'est ça qui a toujours été le plan initial de Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, tout le chapitre 1, la parole de Dieu nous dresse le plan parfait de Dieu, où Dieu voulait que l'homme lui ressemble. Et quand Dieu veut que l'homme lui ressemble, Dieu veut que l'homme lui ressemble à tous les niveaux. La raison pour laquelle, vous savez, lorsqu'une personne a sommeil, il suffit que la personne se mette en mouvement, le sommeil s'en va, n'est-ce pas? Et l'une des raisons pour laquelle, la Bible dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en mouvement. Et nous, si nous ne sommes pas en mouvement, c'est ce qui fait que nous pouvons sommeiller et dormir. Donc le mouvement, c'est l'activité, ça fait partie de la nature de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous en Genèse chapitre 2, Dieu bénit le travail, vous voyez. Donc il y a un mouvement, une activité. Est-ce que tu peux toucher ton frère à côté qui veut dormir ou qui n'est pas en mouvement? Dis-lui, sois en mouvement. Le mouvement, ça fait partie de Dieu. Et dans ce mouvement, j'aimerais donner deux types. Il y a le cycle de mouvement que Dieu fait, et puis il y a le cycle de mouvement que Dieu nous fait faire. C'est ce qui fait qu'on est en alliance avec Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu voulait travailler avec l'homme. Dieu voulait que l'homme soit sa représentation sur terre pour que l'homme fasse exactement ce que Dieu fait. Et ça, c'est ce qui crée en fait l'alliance. Je crois que les fois, on a déjà parlé de l'alliance ici une fois. Dans l'alliance, quand deux personnes entrent en alliance, c'est comme si comme les hommes disent ton pied, mon pied. C'est-à-dire, celui qui touche à l'un, touche à l'autre. Celui qui touche à Dieu, me touche. Celui qui me touche, touche à Dieu. On est en alliance. Parce qu'on est en alliance avec Dieu. On a échangé des choses. Dans l'ancien temps, quand les gens entraient en alliance, vous verrez, hein, les gens pouvaient échanger des manteaux, pouvaient échanger des ceintures. Et vous savez que les manteaux ont une connotation spirituelle, la ceinture a une connotation spirituelle. Les gens pouvaient échanger ces choses. Les gens pouvaient même faire des pactes de sang.
raison pour laquelle Christ est venu. Christ est venu pour venir restaurer notre alliance par son sang. Donc, par le sang de Christ, on a refait un pacte avec Dieu qu'on avait perdu lorsque Dieu nous a créés. Et donc, vous voyez que dans ça, il y a la partie de Dieu, la part de Dieu. Dieu aussi a un mouvement. On a lu dans Ézéchiel 37 et dans Actes chapitre 2, Genèse chapitre 1er, vous allez voir que partout où il y a eu le mouvement de Dieu, quelque chose s'est fait après. Ouais. Partout où Dieu fait un mouvement, partout où Dieu bouge, quelque chose se fait, se produit après. Ézéchiel nous dit, il y eut un mouvement. Après le mouvement, les eaux se sont rassemblées. Et Genèse nous dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Après, Dieu dit que la lumière soit. Donc cela veut dire que nous aussi, si nous sommes en mouvement, après chaque mouvement que nous faisons, il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi? Parce que le mouvement que nous faisons avec Dieu produit quelque chose à la nature de Dieu. Et puis, il y a la seconde catégorie dont je parle, j'ai le cycle du mouvement de Dieu que Dieu nous fait faire, que Dieu impose à l'homme. Parce que dans ça, dans cette sphère d'alliance avec Dieu, Dieu est la personne qui a toujours respecté ses termes, comme il le faut. Et le plus grand problème a toujours été l'homme. La raison pour laquelle nous avons cette Bible, la parole de Dieu, les instructions, les commandements, tout ce qui a été fait dans la Bible, tout ce qui est mentionné dans la Bible, c'est pour que l'homme devienne réglo. Sinon, on n'aurait pas tout ça. Sinon, on n'aurait pas de commandements pour rappeler l'homme à l'ordre. En d'autres termes, ça dit qu'il est possible que l'homme soit en mouvement, mais de la mauvaise manière. Alors, maintenant, nous allons... J'aimerais donc nous parler un peu de cette catégorie du mouvement que Dieu impose à l'homme. Et donc, dans le mouvement que Dieu impose à l'homme, il y a au moins quatre étapes que j'aimerais nous citer. Quatre étapes dans le mouvement, dans le cycle du mouvement divin que Dieu nous impose. Le premier mouvement que Dieu nous impose, c'est la naissance. On va noter juste, on va expliquer ça après. La naissance, premier mouvement. Le second mouvement, c'est la marche. Le troisième mouvement, c'est la course. Et le quatrième, c'est l'envol. Quatre étapes dans le mouvement que Dieu nous impose. La naissance, la marche, la course et l'envol. On n'aura peut-être pas le temps de voir toutes les étapes. Au moins, on va essayer de parler au moins de la naissance et de la marche. Alors, la naissance, en quoi la naissance est un mouvement? J'aimerais nous inviter à lire la Bible. On va lire Jean chapitre 1er, versets 11 à 13. Quand je parle de la naissance ici, il s'agit de naître en Christ. Jean chapitre 1er, on va lire deux textes dans Jean. Et après, on va parler, on va expliquer pourquoi c'est la naissance est un mouvement. Jean 1, 11 à 13, la Bible dit ceci. Ça, c'est la parole. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 3, versets 1 à 5. La Bible dit, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Verset 3, Jésus lui a répondu, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Quand nous lisons ce texte de Jean 3, la question que je me suis posée, c'est que Nicodème vient, Nicodème n'est pas venu avec une question. Nicodème est venu donner comme des éloges au Seigneur. Il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur qui vient du Seigneur, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. » Mais Jésus, à la riposte de Nicodème, Jésus répond comme si Nicodème lui avait posé une question. Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît. Alors, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, quand nous lisons Jean chapitre 2, juste les versets avant,
Quand vous lisez versets 23, 24 et 25, bon, prenons partie de 24. Il dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il n'avait pas besoin qu'on le rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, ce texte me fait croire, me fait comprendre que quand Nicodème est venu nous présenter les éloges qu'il portait au Seigneur, en réalité, dans son cœur, Nicodème était en train de poser la question, Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux avoir droit au royaume des cieux? Parce que je ne peux pas comprendre que le Seigneur réponde à une question qui concerne le royaume des cieux. Alors que Nicodème vient lui dire, tu es un docteur venu de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur ne répond pas à ce que nous disons. Il répond à ce que nous pensons. C'est-à-dire, je peux dire des choses, mais le Seigneur, sachant mon cœur, comme il dit, il savait ce que était l'homme. C'est-à-dire que le Seigneur savait ce que Nicodème était en train de demander réellement. Nicodème, dans son cœur, il se disait certainement, je suis un pharisien parmi les anciens, parmi ceux qui annoncent, est-ce que j'ai droit à une place dans le royaume des cieux? Et Jésus tout de suite lui dit, il est impossible d'accéder au royaume des cieux si tu ne nais de nouveau. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse, c'est que faisons attention parce que la Bible nous dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui est mon frère ou qui est ma soeur, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Dieu la jauge par rapport à notre cœur, par rapport à nos pensées. La Bible dit, vous êtes tel que sont les pensées de vos cœurs. Vous n'êtes pas ce que sont ce que vous dites. Parce que des fois, nous pensons dire des choses pour pouvoir convaincre aux gens que nous sommes ce que nous disons. Mais Dieu, connaissant nos intentions et nos cœurs, Dieu nous répond par rapport à ce que nous sommes. Pourquoi des fois nous prions, tu pries, tu demandes des choses à Dieu, mais Dieu te répond par rapport à ce que tu penses. Quand tu pries, Seigneur, j'ai besoin de cet objet pour faire ça, mais dans tes pensées, tu dis que Dieu me donne ça comme ça, je vais prouver à un autre. Alors quand le Seigneur vient, il regarde ta pensée, il dit, ok, toi tu demandes ça, mais moi je sais que tu veux prouver à un autre. Alors Dieu répond à ta pensée. Or, comme Dieu ne fait pas les choses pour des vaines gloires, il ne t'étonne pas. Tu peux beau prier pendant des siècles et des siècles, mais Dieu regarde à tes pensées, à tes intentions. Deux chroniques, la Bible nous dit dans 1 chronique, je crois, quelque part, ou 2 chroniques, la Bible dit, Dieu a rendu le trône de David éternel à cause de l'intention que David avait de construire un temple. Non parce que David a bâti un temple, mais à cause de l'intention. Dieu a permis le trône de David, une succession éternelle par Christ à cause de l'intention que David avait. Nous savons tous que c'est Salomon, son fils, qui est venu bâtir. Mais Dieu dit, puisque tu as eu l'intention, je rendrai ton règne éternel. Il y aura sur ton trône un successeur qui va demeurer de manière éternelle. La question que je voulais nous poser ce matin, c'est que, quelles sont nos intentions? Quelles sont nos pensées? Ça, c'est une question que chacun de nous peut répondre elle-même au-devant de lui. Parce que ça ne sert à rien de multiplier des paroles alors que les intentions sont contraires. Et j'aimerais que nous comprenions que Dieu répond à notre état de cœur. Dieu répond à ce que nous sommes intérieurement. On peut se tromper, se voiler les yeux chacun les uns envers les autres. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne rate pas. Il ne te répondra pas parce qu'il sait, il connaît ton état de cœur. Tu peux beau entrer dans une forme de jalousie, pourquoi on répond à l'un pas à l'autre. La question c'est, quel est l'état de ton cœur? Ou quelles sont tes intentions pour qu'on te réponde ou qu'on ne te réponde pas? Vous voyez? Et c'est pourquoi Jésus ici, il vient répondre à la vraie question de Nicodème. J'imagine que la vraie question de Nicodème était, Seigneur, comme je suis pharisien, j'enseigne aux autres, n'est-ce pas que j'ai droit au royaume des cieux? Alors Jésus lui répond, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, ne naît en Christ, il ne peut avoir accès au royaume des cieux. Et donc, la naissance, la première étape du mouvement divin. Pourquoi encore la naissance est un mouvement? Parce que dans la naissance en Dieu, il s'agit de changer d'état. Parce que quand on est en Dieu, on quitte de l'état mondain à l'état divin. C'est ça, naître d'eau et d'esprit. On quitte de l'état du monde à l'état. C'est quoi l'état du monde? L'état du monde, c'est l'état dans lequel on vit par nos émotions, par nos pulsions, par nos envies, par ce que nous voulons faire. C'est ça l'état du monde. Et l'état de Dieu, c'est l'état dans lequel on commence à vivre par les émotions de Dieu, par les pulsions de Dieu, par les envies de Dieu,
par ce que Dieu veut faire. Vous voyez? C'est opposé. Deux états opposés. C'est pourquoi la naissance est un mouvement. Il y a un mouvement qui se passe là. On est en Christ, mais il y a un mouvement qui se fait. Je quitte d'un état vers un autre. Et j'aimerais nous dire, comme tout être humain, on ne peut pas parler d'une personne. Bon, je vais prendre mon propre exemple. Il n'y aurait pas de Sylvain pareil s'il n'y avait pas eu une naissance d'un Sylvain, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu ne peux pas espérer expérimenter plus de Dieu si tu n'es pas né des yeux. Merci. Or, naître des yeux veut dire changer d'état. Changer d'état, ce n'est pas par le parler. Quand on change d'état, on le remarque, on le vit. La parole de Dieu nous dit, vous reconnaîtrez les gens par leurs fruits. Les fruits ne chantent pas, les fruits n'écrivent pas. Les fruits, on les voit. Les fruits, on les voit. Donc nous ne pouvons pas dire que moi, j'ai changé d'état. Mais si ton état, si tes fruits reflètent l'état d'avant, mais ta bouche reflète l'état d'aujourd'hui. Alors on ne sait pas te situer, où es-tu? Es-tu l'état ancien? Où es-tu? Est-ce que tu assumes ton état nouveau? Il y a un mouvement là. Et la question qu'on pose, que j'aimerais poser à l'église, c'est que nous, en tant qu'église, enfants de Dieu, nous sommes obligés de vivre par rapport à ce nom d'enfant de Dieu que nous portons. Ce n'est pas juste un titre que l'on porte. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, quand tu dis que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous avons pris la décision d'accepter de faire les choses à la façon de Dieu, de vivre comme Dieu, de penser comme Dieu, de réagir comme Dieu. Quand on parle du mouvement, il y a aussi les actions, les réactions. Même le silence est un mouvement, le repos c'est un mouvement aussi. Vous voyez? Toutes ces choses, quand je fais un mouvement d'un état vers un autre, je suis obligé de quitter l'état du monde vers l'état divin. Donc c'est donc un mouvement. Et la naissance, quand je parle de la naissance, c'est la naissance en Dieu. La naissance, c'est cette étape dans laquelle Dieu nous prend tel que nous sommes. Il nous prend tel que nous sommes pour nous donner une nouvelle nature. Il nous prend. Vous comprenez que dans cette étape ici, nous ne faisons pas d'efforts. Dans cette étape, c'est Dieu qui se déplace vers nous. Il vient, il te prend. La Bible dit, c'est lui qui nous a pris dans les ténèbres que nous étions. Il nous a emmenés dans son admirable lumière. Vous voyez que cette étape, c'est une étape dans laquelle Dieu lui-même vient. Jean 6, quand en grâce, Jésus dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Vous voyez? L'étape de la naissance ici, c'est l'étape dans laquelle Dieu vient. Il commence un travail. L'étape de la naissance, c'est l'étape dans laquelle les failles et les imperfections sont tolérées par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vient de te prendre. Il te prend. Il veut t'apprendre une nouvelle façon de vivre. Comme un enfant qui vient de naître. Vous voyez, un enfant qui sait marcher et un enfant qui ne sait pas marcher. Quand les deux font des bêtises, on a tendance à pardonner celui qui ne sait pas marcher. On se dit, bon, il est encore bébé, ça va. Il ne comprend pas encore. Mais dès qu'un enfant commence à marcher, courir, on se dit, non, il est conscient. Quand il fait une bêtise, ah, on réagit. Pourquoi? Parce que même inconsciemment, dans notre subconscient, on sait que dès que l'enfant commence à marcher, il y a quelque chose qui a changé. Il commence à prendre conscience de quelque chose. Donc l'étape de la naissance, c'est l'étape dans laquelle Dieu nous prend. Dès que nous sommes dans notre nature, il nous caresse un peu, si je dois dire, il nous cajole, mais en même temps, il dépose, il nous enseigne les fondements. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de nous garder à l'étape de naissance. Ça serait inconcevable. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui, l'enfant est toujours à l'état de bébé après 5 ans. On va parler d'anomalie. Même les médecins diront que cet enfant est anormal. Ça fait 10 ans qu'il est né, mais il a encore la taille d'un bébé. Ça fait 10 ans qu'il est né, mais il ne parle toujours pas. Ça fait 10 ans qu'il est né, mais qu'il ne marche toujours pas. Il y a un problème. Et vous voyez, dans le monde spirituel, dans l'état spirituel des enfants de Dieu, souvent nous sommes comme ça. Nous avons des personnes comme ça. Il y a 15 ans, ils sont nés dans le Seigneur. Mais ils ne savent toujours pas marcher, ni parler, ni avancer. Et vous voyez? Mais ces choses, ce n'est pas des choses qui se voient sur le visage d'une personne. Ce n'est pas des choses qui se disent. Mais Dieu les voit, en fait, dans le cœur, dans notre état. Et c'est une étape très importante. Remarquez ici avec moi, c'est que si la naissance est mal gérée, toute la suite que j'ai citée là, la marche, la course et l'envol, ne marchera pas.
Si la naissance est mal gérée, toute la suite ne marchera pas. C'est pourquoi dans le Seigneur, il est important que tout commence par recevoir Christ. La raison pour laquelle nous recevons Christ dans notre vie, des fois, on a l'impression que c'est une récitation qu'on fait à des personnes, venez à Christ, comme si on fait une campagne. Non. Au fait, la vie en Dieu commence par recevoir Christ. Tu ne peux pas bénéficier d'autre chose si Christ n'est pas venu en toi. Si tu ne l'as pas reçu, si tu n'es pas né en lui. C'est pourquoi Jésus répond à Nicodème et dit non. La place au royaume des cieux commence par la naissance. La place au royaume des cieux commence par la naissance en Christ. Donc c'est une étape très importante. La naissance, c'est aussi cette étape dans laquelle... C'est une étape de faiblesse tolérée. C'est aussi une étape dans laquelle le geste commence par Dieu, je l'ai dit. C'est aussi une étape par laquelle Dieu nous prend tel que nous sommes. Il nous apprend à parler. Il nous apprend à écouter. Donc c'est une étape très importante. Dans cette étape de naissance, quand on reçoit le Seigneur dans sa vie, le Seigneur commence à déposer en nous des bases. Il nous explique, il dit, voilà, quand tu me reçois dans ma vie, ouais, tu dois marcher comme ça, tu dois faire comme ça. Il y a ça que tu dois faire, il y a ça que tu ne dois pas faire. Il y a ceci, Galates 5, à partir du verset 16, nous dit, les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Ouais, ce sont des choses que Dieu commence à expliquer quand on est en Christ, quand on est en lui. C'est là que Dieu commence à t'expliquer, il dit, voilà, ça c'est une œuvre de la chair, ça c'est une œuvre de l'esprit. Tu dois faire la différence entre ça et ça. Tu dois choisir. Tu dois comprendre que la vie dans laquelle tu es né, c'est une vie qui demande à ce que tu appliques les œuvres de l'esprit. Vous voyez? Ces explications, ces choses, ce sont des choses que Dieu fait quand on est en lui. Et c'est très important. Les fondements qu'on fait aussi à l'église, ça fait partie des choses qu'on enseigne quand une personne est née en Christ. Les bases de la vie d'enfant de Dieu. Et donc la naissance est très importante. Naître en Christ, j'espère qu'ici dans la salle, tous nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés en Christ. Tous avons reçu Christ dans nos vies. Maintenant, j'aimerais que si nous avons reçu Christ dans notre vie, que nous comprenions, comme Paul le dit dans Galates 22, partie B, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si nous sommes nés en Christ, c'est Christ qui doit vivre, et non moi. Mais la question c'est, combien nous sommes nés en Christ? Et nous vivons à la place de Christ. Alors, si nous vivons à la place de Christ, ça veut dire que notre naissance, il y a un problème quelque part. Il y a une anomalie, si je dois dire ça de manière médicale. Vous savez qu'il y a des enfants qui naissent, les médecins vous disent que l'enfant est né avec un retard, c'est pas psychique ou au niveau du cerveau, l'enfant ne sait pas se développer. Dans l'esprit aussi, on a des personnes pareilles. Si je dis que je suis né en Christ, que les émotions de Christ deviennent mes émotions. N'est-ce pas que Philippiens 2 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. N'est-ce pas? Ça sont des choses qui naissent, qui viennent en nous quand nous naissons en Christ. Sachant que la naissance en Christ n'est pas notre effort. C'est Dieu qui vient nous prendre. Il nous prend, il nous emmène. C'est pourquoi une personne qui ne connaît pas le Seigneur, sans si rien de pouvoir se cogner la tête contre lui, dit, mais Seigneur, pourquoi il ne vient pas à toi? La question c'est que toi, quand tu es venu au Seigneur, c'est le Seigneur qui a fait les travaux en amont. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour cette personne, pour que le Seigneur l'attire. Quand vous lisez Actes chapitre 2, la Bible dit, à partir du verset 38, la Bible dit, c'est Dieu qui a ajouté chaque jour le nombre de ceux qui avaient cru. Vous voyez? C'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui emmène. À l'étape de la naissance, les actions sont de la part de Dieu. Après la naissance, il y a l'étape maintenant de la marche. Ça, c'est la deuxième étape. Dans la marche, ça change. Quelque chose change. Parce que dans l'étape de la marche, c'est l'étape où nous commençons à prendre des décisions. Dans l'étape de la naissance, Dieu prend des décisions. Il te prend. Il t'emmène dans sa lumière. Il te fait comprendre que tu étais dans les ténèbres, que tu étais dans le noir. Il veut te partager sa lumière. Il te montre les chemins de la vie. Mais maintenant, dans l'étape de la marche, Dieu suppose qu'il t'a donné tous les fondements nécessaires. Dieu suppose t'a donné tous les éléments nécessaires. Maintenant, il veut que toi, tu fasses le choix d'accepter ça et de refuser ça. Ça, c'est la seconde étape. L'étape de la marche. Quand un enfant apprend à marcher, l'enfant est capable de choisir d'aller soit là-bas, soit là-bas. Parce qu'il sait marcher maintenant. Il peut faire des choix comme il veut. Et l'étape de la marche, c'est l'étape aussi que j'appelle l'étape du dépouillement. Pourquoi? Parce que dans le dépouillement de soi,
on fait le choix d'abandonner une chose et on fait le choix de garder une chose. Et nombreux parmi nous sommes aussi dans cette étape. Je dirais la majorité même. On est là-bas. L'étape de la marche avec Dieu. Où on se bat encore avec choisir que abandonner, que garder. Et dans l'étape de la marche, j'aimerais développer trois sous-points dedans. Dans la marche avec Dieu, il y a... Ah là, j'aurais besoin de... Famille, tu prends le reste. Je vais illustrer quelque chose. Dans la marche avec Dieu, il y a trois états. Il y a ce que j'appelle, admettons, parmi Dieu. Il y a ce que j'appelle marcher après Dieu. Marcher après Dieu. Et puis, il y a ce que j'appelle marcher avant Dieu. Et puis, il y a ce que j'appelle marcher avec Dieu. Trois étapes dans la marche. Marcher après Dieu, marcher avant Dieu, marcher avec Dieu. L'étape de marcher après Dieu, c'est l'étape qui vient juste après la naissance. Pourquoi? Parce que marcher après Dieu, c'est quoi? Dieu te dit, suis-moi. Toutes les fois que le Seigneur a rencontré une personne, la phrase, je dirais la phrase magique ou quoi, la phrase mystique ou la meilleure phrase que Jésus disait, c'est quoi? Suis-moi. En d'autres termes, viens, je vais te montrer comment tu dois faire. Tu mets les pas là où je mets les pas. Et marcher parmi Dieu. Je marche après lui. Hein. Vas-y, avance. Marcher après Dieu veut dire quoi? Je peux avancer, je peux m'arrêter, je fais tout ce que je veux derrière Dieu. Et quand Dieu se retourne, il se rend compte que je suis là. Qu'est-ce que Dieu fait? Il m'attend. Il tolère, j'avance, je le retrouve. Ou bien il se décide de revenir vers moi. Il me prend, il me dit, suis-moi. Ça, c'est marcher après Dieu. C'est une étape dans laquelle Dieu te demande de pouvoir suivre les choses à la lettre telle qu'il le fait. Parce qu'il estime que tu ne sais pas faire. Alors il te dit, fais comme ça. Si tu veux prier, tu fais comme ça. Tu veux méditer, tu fais comme ça. Ça, c'est marcher après Dieu. Mais maintenant, quand Dieu se rend compte que la personne qui marche après lui a compris comment marcher, maintenant Dieu te dit, marche devant moi. Quand tu marches devant moi, maintenant il surveille ce que tu fais. Quand le Seigneur a rencontré Abraham dans Genèse 12, le Seigneur l'appelle. La Bible dit qu'il avait 75 ans. Mais c'est à 99 ans que le Seigneur dit, Abraham, sois intègre, marche devant moi. Cela veut dire que pendant 24 ans, Abraham marchait derrière Dieu. Il marchait derrière pour comprendre comment est-ce que Dieu travaille. Et pendant qu'il marchait derrière, il n'était pas intègre. Parce que Dieu ne peut pas dire, sois intègre si tu l'étais. Donc il marchait derrière, il pouvait faire, s'amuser, comme on le fait des fois à l'église. On suit le Seigneur, mais on s'amuse, on fait notre vie, on fait ce qu'on veut. On pense ce que l'on veut, on agit comme on veut. On fait selon les désirs de nos cœurs. Dieu est conscient. Et Dieu sait qu'on n'est pas intègre. Mais Dieu attend que nous devenions conscients. Et dès que tu attrapes, il te dit, bon, Abraham, maintenant, marche devant moi. Sois intègre. En d'autres termes, je vais surveiller les gestes que tu fais. Je vais surveiller ce que tu fais. Tu as appris de moi, maintenant j'aimerais voir comment tu fais. Comment tu peux faire. Si tu peux accomplir, tu peux faire marcher dans la règle, marcher comme je te demande de le faire. Et là, vous comprenez que l'exigence de Dieu change. Ce n'est plus les mêmes exigences qu'il avait quand tu es né en lui. Ce n'est plus les mêmes exigences que tu avais quand tu marchais après lui. Il pouvait te laisser faire ce que tu veux. Marcher devant le Seigneur, les exigences changent. Là, Dieu devient strict. Tu fais un faux pas, c'est là où il utilise le bâton pour te ramener sur le chemin. Parce qu'il te voit. Tu es là devant. Il dit, sois intègre. On te donne un ordre d'être intègre. C'est-à-dire, si tu n'es pas intègre, il y aura une conséquence. Vous voyez? Donc, la question, c'est que des fois, je me pose, je dis, Seigneur, est-ce que plus on devient intègre avec Dieu, plus Dieu devient exigeant? Alors, je me dis, Seigneur, est-ce que je dois être moins intègre pour que tu ne sois pas très exigeant envers moi? Puisque quand tu les mets trop exigeants, tu es capable de me taper à la taille de ton exigence. Vous voyez? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas fuir. C'est ça, en fait, le chemin du Seigneur. Regardez, la Bible dit que Christ a été soumis au Père, il s'est rendu. La Bible dit, Christ s'est rendu obéissant. Dieu n'a pas rendu Christ obéissant. Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire que nous sommes obligés, et l'étape de la marche, c'est aussi une étape où on meurt en soi. Parce que pour marcher de manière intègre,
devant Dieu, tu es obligé de mourir. On est obligé de mourir. Parce que si on ne meurt pas en nous, il sera impossible. Parce que nos émotions vont se réveiller à un moment. Nos envies vont se réveiller à un moment. Notre capacité de faire va se réveiller à un moment. À un moment, on peut même penser que nous faisons parce que nous avons les capacités. J'aimerais nous rappeler que tout ce que nous faisons, c'est parce que Dieu nous donne de le faire. La Bible dit, il a prévu, il a placé en nous des bonnes œuvres longtemps en avance pour que nous les pratiquions. En d'autres termes, à chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, c'est parce que tu l'as fait. Au fait, tu as découvert ce que Dieu avait fait pour que tu puisses le faire. Tu es entré en connexion avec ce que Dieu avait placé en toi pour que tu le fasses au bon moment. Alors, si on voit les choses de cette façon, on va comprendre qu'au fait, nous sommes parce que Dieu veut que nous soyons. L'autre, hier, on discutait avec le vendredi, je discutais avec une soeur, je lui ai dit, mais tu sais, Dieu a eu son idée de pouvoir créer l'homme. C'était l'idée de Dieu. Dans sa propre idée, il peut se venir, bon, j'arrête la vie de l'homme. C'était son idée de créer l'homme. Donc, il a le droit d'arrêter la vie de l'homme. Alors, pourquoi on pose des questions à Dieu quand quelqu'un meurt? C'est vrai, il nous crée pour avoir la vie abondante. Mais n'oublions pas que c'est son droit, parce que c'est lui qui nous a créés. Quand il nous créait, tu n'étais pas là pour lui souffler, Seigneur, donne-moi cette forme. Crée-moi. C'est d'ailleurs, si on était là, personne n'aurait la forme qu'il a. Parce que tout le monde voudrait avoir une forme. Dieu s'est arrangé pour que la création de l'homme soit sa propre idée. Mais s'il retire la vie, c'est sa propre idée. Je ne dis pas que mourir, ça fait du bien, non. Mais ce que j'aimerais nous dire ici, c'est quoi? C'est que la mort, quand ça arrive, la première pensée que nous avons, c'est que Dieu a créé, Dieu a donné la vie, il a le droit de reprendre. C'est lui. On ne va pas réfléchir avec lui. On ne va pas lui poser des questions, mais pourquoi tu as repris? Dieu est nous sommes un peu comme le piano là que le frère Théo est en train de jouer. Ça veut dire ici, Théo, enlève un peu tes doigts. Non, même le. Voilà, il n'y a pas de son. Non, sans son, pas de son. Voilà, on est comme ça. Sans vie, inerte, comme ça. Dieu, c'est les fabricants du piano. Donc Dieu fabrique le piano. Non, je sais pas. Le Saint-Esprit, c'est un peu le rôle que Théo est en train de faire. C'est lui qui joue au piano. Attends, ne joue pas. Ne joue pas. Le Saint-Esprit, c'est le rôle que tu es en train de faire, jouer au piano. Ça veut dire, si quelqu'un n'a pas fabriqué le piano, et si quelqu'un ne joue pas au piano, personne ne peut savoir que cet instrument-là peut produire un son comme il fait. Personne ne le saura. Et tu pourras même appeler piano batterie, parce que dans ta tête, tout est confondu. À ce stade, le piano et la batterie sont pareils, ils font un, parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de différence. À ce stade-là, piano, batterie, guitare, ils sont tous pareils. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas la différence que chacun produit. Mais maintenant, lorsque l'instrumentiste, le Saint-Esprit vient pour nous utiliser, parce que nous sommes des vases, des instruments entre les mains et les yeux, quand il produit un son agréable, en ce moment, on se dit, ah tiens, le piano pouvait produire ça, cet instrument pouvait faire ça. Parce que le piano est accordé et ça peut produire un son agréable. Mais il arrive à ce que l'instrument soit désaccordé. Et quand l'instrumentiste vient pour jouer, le son est désaccordé, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de jouer. Si le piano était désaccordé, dès que Théo met les doigts là-bas, ça sonne mal, il va se poser. Et je dis, mais comment les pianos ils sonnent comme ça? Il va arrêter de jouer. Ce sera ça, la première étape. Et c'est ce qui se passe avec nous. Quand le Saint-Esprit vient pour nous utiliser, nous sommes désaccordés, nous ne sommes pas dans son état, il arrête. Il arrête. Vous voyez? Et donc Dieu, il fabrique, il nous crée, mais il nous donne en possession son esprit. Jésus le dit dans Jean chapitre 16, où il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Il va même vous expliquer des choses que je n'ai pas voulu vous expliquer maintenant parce que vous ne le comprendrez pas. En d'autres termes, le Seigneur voulait nous faire comprendre qu'il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour vous utiliser, pour que vous compreniez des choses que je voulais vous dire, mais que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui parce que votre entendement est fermé. Et donc, marcher devant le Seigneur implique l'intégrité. On est obligé de pouvoir respecter parce que le Seigneur devient très exigeant. Il commence à surveiller de près tout ce que nous faisons.
Et juste une parenthèse, vous savez que pendant le temps entre 75 ans d'Abraham et 99 ans d'Abraham, pendant ces 24 ans-là, est-ce que vous savez que pendant les 24 ans que Abraham a fait marchant derrière Dieu, Abraham a été vainqueur de plusieurs rois. Abraham a fait des exploits. Il a fait plein d'exploits. Et pendant qu'il faisait tous ces exploits-là, il marchait derrière Dieu, il n'était pas intègre. Ici, j'aimerais simplement dire que ce n'est pas la quantité de nos exploits qui prouve notre intégrité à Dieu. Non. On peut avoir fait des exploits pendant 50 ans. Mais s'il se fait que pendant 50 ans, tu ne marches pas intègre à Dieu, à la 51e, Dieu te dira, bon, tu as fait des exploits, mais maintenant commence à marcher devant moi, sois intègre. Cela veut dire que tous les exploits que j'ai faits avant vaut zéro au moment où Dieu me dit, sois intègre. Dieu s'attend maintenant à des nouvelles actions, mais dans l'intégrité. Ça, c'est marcher devant l'Éternel. Et puis, il y a marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est, moi j'appelle ça une étape d'intimité. Ça, j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 16. Jean 15, 13 à 16. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé les amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Amis, marchez avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est l'étape de l'amitié avec Dieu. Mais ici, c'est important de se souvenir, c'est que ce n'est pas nous qui ferons de Dieu notre ami. Il dit, j'ai fait de vous, mes amis. C'est Dieu qui fait de nous ses amis. Nous ne faisons pas de Dieu notre ami. C'est lui qui fait de nous. Or, pour faire de nous notre ami, Dieu prend le temps d'observer si nous sommes intègres. Si, quand je marchais devant le Seigneur, si je suis intègre, le Seigneur remarque, c'est ce que le Seigneur a posé comme question à Satan. Lorsqu'il est venu en sa présence, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre sur toute la surface de la terre. Intègre sur toute la surface de la terre. Ça veut dire que s'il y avait des hommes de Dieu à cette époque-là, tous ces gens-là n'étaient pas intègres. Un seul, Job. Et après cette étape-là, Dieu dit, puisqu'il est intègre, puisqu'il fait ce que je lui commande, je fais de lui mon ami. Et maintenant, attention, la dimension de l'amitié avec Dieu, marcher avec Dieu, c'est une dimension dans laquelle les exigences de Dieu s'accroissent davantage. Parce qu'en ce moment-là, Dieu commence à te dire les choses cachées. Dieu te révèle des vérités qu'il n'a pas révélées à quelqu'un d'autre. Dieu te dit des choses qui sont intimes. Et quand il te dit des choses qui sont intimes, il attend de toi une exigence sévère où tu restes droit. Le jour où tu dévoiles ce que Dieu te dit alors qu'il ne te demandait pas de le dire, tout de suite, Dieu te frappe, ou pas frapper, Dieu te punit à la dimension de l'intimité que vous avez. Ici, je m'ouvre une parenthèse, même dans l'église. Vous savez, est-ce que vous savez que Dieu, Christ, quand on lit l'histoire de Jésus sur la terre, Christ était une personne très discrète. Avez-vous remarqué ça ou pas? Quand Jésus faisait un miracle, il disait, ne dites à personne. En d'autres termes, il était discret sur des choses parce qu'il savait qu'il y a un temps pour toutes choses. Et si le Seigneur ne me demande pas de faire valoir ça, je ne le fais pas. Et d'ailleurs, l'objectif de ce que je fais, c'est que le Père soit connu et non moi. Alors il dit, ne dites à personne. Gardez cela pour vous. Dans le stade d'intimité, c'est ça. Et si le Christ pouvait être discret, c'est que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il y a de ces choses pour lesquelles nous sommes obligés d'être discrets. Là, je parle de manière spirituelle, mais même de manière humaine, j'aimerais ouvrir un peu la parenthèse. J'ai remarqué que les enfants de Dieu sont indiscrets, d'une manière pas possible. Ici, j'aimerais définir deux types d'indiscrétion. Il y a l'indiscrétion des gens qui parlent beaucoup. Tout ce qu'on entend, ils parlent, papa, papa, papa. Tout le monde connaît. Mais il y a aussi l'indiscrétion des gens qui ne parlent pas, mais qui veulent recevoir toutes les informations. C'est une forme d'indiscrétion.
Pourquoi? Parce que la personne veut être le centre des infos. Quand tu lui poses un nom, tu lui dis par exemple Hervé, il dit ah Hervé, oh, je connais, voilà, il a ça. Parmi, ah, parmi, oh, là, c'est comme ça. Je lui dis, ah, mais comment tu connais tout ça? C'est que tu n'as pas besoin de parler, mais ton état est un état indiscret. Je ferme la parenthèse. Donc, si nous étions indiscrets, apprenons à être aussi discrets, des fois. Parce qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, c'est parce qu'on n'est pas discret. On parle plus tôt qu'il ne le faut. On dit ce qu'il ne fallait pas dire au mauvais moment. Et donc, marcher avec l'Éternel, c'est la dimension de l'amitié avec le Seigneur. Une dimension dans laquelle nous faisons équipe avec Dieu. Et dans cette dimension, il y a des choses quand même qui détruisent l'intimité avec Dieu, dans la marche avec Dieu, quand on marche avec Dieu. Et parmi ces choses, il y a le péché sous toutes ses formes. La parole de Dieu nous parle du péché de haut en bas. Vous voyez, le péché sous toutes ses formes détruit notre intimité avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. On a le sentiment d'orgueil. Ça, c'est quelque chose... Tu vois, quand Dieu fait de toi ton ami, tu marches avec lui, par moment, tu auras l'impression que tu es devenu l'égal de Dieu. Quoi. Pour moi, tu auras l'impression que non, c'est toi qui fais. Parce que Dieu te communique tellement de choses, parce que tu lui es proche, tu auras l'impression qu'en fait, c'est toi qui travailles. Mais alors qu'attention, Dieu ne partage pas sa gloire. Il peut faire de toi son ami, mais il ne partage pas sa gloire avec toi. Au fait, tu ne réclames pas la gloire de Dieu. S'il le veut, il te partage sa gloire. S'il le veut, il ne le fait pas. L'orgueil, c'est quelque chose qui détruit cette intimité dans la marche avec Dieu. On a l'activisme, n'est-ce pas? L'activisme, la religiosité, les gens qui font des choses parce qu'il faut le faire, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils le font. Et ça, la première catégorie se retrouve dans l'église, où on a des gens qui viennent vendredi, dimanche, mais ils viennent par activisme en fait. Ils ne viennent même pas de manière préparée. Si je me pose une question ici ce matin, qui avant de venir a pris le temps de prier, Seigneur, je prie pour le culte, ah, je prie pour le culte que je puisse recevoir de toi quelque chose toute la semaine. Tu as pris le temps de prier que quand je viendrai, quand j'irai au culte, que je puisse recevoir de toi. Si je pose cette question, vous allez voir qu'il y aura peut-être peu de doigts. Et autre chose, à l'église, nous avons des personnes qui prient que lorsqu'ils savent qu'ils sont en activité, lorsqu'ils seront en service. S'ils n'est pas en service, ils ne prient pas. Vous voyez? Ça, c'est l'activisme aussi. Religiosité. Nous avons des gens qui entrent en jeûne. Quand, là, par exemple, peut-être qu'on a demandé au frère Sylvain de prêcher en ce moment-là, il s'est dit, ah, non, je dois entrer en jeûne cette semaine parce que je dois prêcher. Ça, c'est l'activisme. Parce que tu attends qu'il y ait une action pour que tu puisses faire quelque chose. Des fois même, certains prédicateurs, hommes de Dieu, on devient, nous ouvrons la Bible que pour prêcher. Mais on n'ouvre pas la Bible pour la méditer. Et avec, je prends par exemple, donc toi, tu n'ouvres la Bible que pour trouver des passages qu'il faut quand tu dois prêcher les autres. Mais quand est-ce que tu ouvres la parole de Dieu pour t'édifier toi-même? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une demande pour que tu puisses l'ouvrir? Est-ce qu'il faut attendre qu'on te demande de conduire un culte, de prêcher dans un culte pour que tu pries ou pour que tu entres en jeûne ou pour que tu fasses une façon particulière de t'approcher des yeux? Vous voyez, des fois on s'approche de Dieu de manière particulière parce qu'on nous a appris qu'on doit faire telle action. Donc là, je vais chercher Dieu de manière particulière. Vous voyez là, peu à peu, on tombe dans la religiosité, dans l'activisme. Un peu ce que Marthe faisait, n'est-ce pas? Jésus se pointe, Jésus est là. Marthe est préoccupée, elle fait plein de choses. Au point même, elle s'est plaint même de Marie qui est là au pied du Seigneur. Mais Jésus lui dit clairement, il dit, mais Marthe, tu te fais pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, elle est là à mes pieds, elle est en train de m'écouter. Toi, tu te balades, tu veux arranger les assiettes, tout ça à la table, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui est utile. Et ça, c'est une chose qui nous fait aussi perdre notre intimité avec Dieu. Autre chose, la complaisance et la familiarité. La complaisance. Vous savez, la complaisance, c'est quoi? Je sais que c'est mauvais, mais je le fais quand même. C'est ça, la complaisance. Tu te plais dans ce que tu fais. Même quand tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Et tu te plais dans ça. Dans l'œuvre de Dieu, on appelle ça la complaisance. Et ça, ça détruit ce que Dieu fait. Ça détruit notre relation avec Dieu. La familiarité. Ce n'est pas parce que
je connais le frère Hervé, que je peux me permettre de pouvoir faire des choses qui atteignent sa personne. C'est pas possible. Puisqu'en ce moment-là, je bénéficie même pas de la grâce que Dieu lui donne, que Dieu dépose dans sa vie. Pourquoi? Parce que je deviens familier avec lui. Et c'est ce qui se passe même avec nos responsables, nos pasteurs, nos leaders, tous ceux qui nous dirigent. Des fois, on veut être familier avec eux. Et quand on devient familier, facilement, les langages peuvent sortir. Et la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous voyez? La familiarité, ça crée toutes ces choses. Et ça, on ne peut pas devenir familier avec Dieu. Et on ne peut pas devenir familier aussi avec une personne que Dieu utilise. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu peut l'utiliser pour nous atteindre. Et ça, ce sont des choses qui détruisent aussi notre marche avec le Seigneur. La marche avec Dieu ou marcher avec l'Éternel, c'est une étape dans laquelle Dieu devient aussi très jaloux. Parce que c'est une étape d'intimité. Donc Dieu ne voudra pas que tu fasses entrer une troisième personne entre toi et lui. Il devient très jaloux. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de tuer quelqu'un parce qu'il veut conserver sa relation avec toi? Il dit dans la Bible, il dit, je vais livrer toute l'Égypte en libation pour mon peuple. C'est pourquoi je me suis dit au début, quand Dieu donne la vie, c'est lui. Et s'il veut répondre la vie, c'est aussi lui. Donc il est capable d'éliminer le monde entier parce qu'il veut conserver ses relations avec une personne. S'il trouve que sa relation avec la personne commence à connaître des dégâts à cause de telle, j'aimerais raconter une histoire pour finir. Il y a un homme et une femme à qui le Seigneur avait béni, il leur a donné un enfant. Dieu leur a donné un enfant. Et peu à peu, ces hommes-là, c'était les gens qui craignaient Dieu, qui servaient Dieu. Mais peu à peu, l'enfant a commencé à remplacer Dieu dans le cœur. J'ai dit, mais dans le cœur. Pas physiquement, mais dans le cœur. Le Seigneur réclamait le cœur de l'homme et son épouse. Le temps qu'il donnait à Dieu avait changé, diminué, parce que le cœur était maintenant attaché au temps qu'on veut donner à l'enfant. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a repris l'enfant. L'enfant est mort. Ils ont fait 5 ans par l'enfant. 9 ans, il n'y avait pas de nouveaux enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous fais ça? Quel est le péché qu'on a fait? Et Dieu leur dira, mais quand je vous ai donné l'enfant, vous avez dans votre cœur, vous m'avez remplacé dans votre cœur par l'enfant. Je ne vous donne pas l'enfant pour que vous remplacez l'enfant par moi. Je vous donne l'enfant pour que cet enfant que je vous donne devienne aussi un instrument pour moi. Et on a remplacé Dieu par l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Mais aujourd'hui, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Ça peut être que les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ouvre un peu une parenthèse. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a 15 ans ou 20 ans de cela plus tôt, je l'ai même partagé avec d'autres frères, il suffisait d'écrire « Dieu t'aime » sans photo, sans quoi que ce soit, juste les écrits. Les gens pouvaient dire « Amen », les gens pouvaient dire « Yes ». Mais aujourd'hui, Dieu t'aime doit s'accompagner par une photo. Tu prends une face comme ça, Dieu t'aime. Qu'est-ce que Dieu t'aime a à voir avec cette photo? Et quand les gens viendront écrire les commentaires, les gens ne viendront pas dire Amen. Ils vont te dire bonne position, beau vêtement. Les gens vont réagir à la photo et non aux écrits. Vous voyez? Et je me suis rendu compte que peu à peu, le diable a réussi à nous vendre l'image. Regardez vous-même, hein, c'est que tu vois, dans l'église, dehors, les hommes de Dieu, les non-hommes de Dieu, tout le monde. Quand on veut poster quelque chose, il faut qu'il y ait une image. Mais est-ce qu'on est obligé? Je ne dis pas que l'image est mauvaise. Si tu veux poster tes photos, ça te regarde. Mais il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Non, n'utilisons pas le nom de Dieu en vain. Pourquoi es-tu obligé de mettre une photo de toi pour donner un message de Dieu? Est-ce que Dieu est assez impuissant pour qu'une phrase de Dieu puisse toucher quelqu'un? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans le monde des likes où on veut que les gens aiment. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu, quand ça touche une personne, des fois, on n'est pas obligé de le savoir. Tu mets une parole, quelqu'un est touché. Dieu te bénit, mais il ne te dira pas forcément c'est à cause d'une parole que tu avais mise. Mais regardez aujourd'hui, il faut qu'il y ait nécessairement une image. Je pense que ce sont des choses, quand on parle, je réfléchis, je me suis dit, mais en fait, l'image de la bête, c'est quoi? Je me suis mis à réfléchir, l'image de la bête, non pas l'Apocalypse, mais je me dis, mais je pense que le diable a déjà réussi à nous vendre son image. Parce que la bête, c'est le diable. L'image de la bête, c'est quoi?
c'est quand on est focalisé, quand nos pensées sont maintenant attachées aux images, au point où on ne sait rien faire sans images, on va nous vendre une image et facilement l'image de la bête nous revêt. On ne sait plus rien faire sans nous exposer. On ne sait plus rien faire sans nous mettre nous-mêmes en valeur. On ne sait plus rien faire sans mettre une image de nous. Et le diable, il est content. Au point même, toutes les fois qu'on met des images, on ne lit même pas le texte. Et bientôt, bon, ça c'est moi qui pense, bientôt il n'y aura plus d'écrit. Les gens vont commencer à mettre seulement des images. Aujourd'hui, on a les images et les écrits. Et bientôt, on n'aura plus d'écrit. Pourquoi? Parce qu'on s'est familiarisé avec... Bon, je vais m'arrêter là. Malheureusement, on n'a pas... Il y a deux dernières étapes, la course et l'envol. On ne pourra pas voir suite au temps. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin. J'aimerais juste qu'on puisse simplement prier par rapport à ce message. Nous allons prier, demander. Chacun de nous connaît l'état dans lequel il est. Chacun de nous connaît son état. Chacun de nous connaît dans quelle étape du mouvement divin il se retrouve. Certains peut-être sont au niveau de la naissance où ils se battent encore entre accepter Dieu et ne pas accepter Dieu. D'autres sont au niveau de la marche peut-être, mais ils ne sont pas encore intègres. Ou d'autres sont intègres mais ils veulent plus. Mais quel que soit l'état dans lequel tu es, est-ce que tu peux implorer le Seigneur? Élève ta voix là où tu es, dis Seigneur, je viens dans mon état et dans cette étape dans laquelle je suis. Apprends-moi et donne-moi à pouvoir t'aimer. Que le Saint-Esprit réveille au fond de moi la vie de Dieu, la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Prie le Seigneur pour toi-même, prie pour ton état, prie pour ta personne. Prie pour ton cœur. Connais les pensées de nos cœurs, Seigneur. Toi qui, Seigneur Dieu, au Père de gloire, relève les faibles, connais les pensées de nos cœurs. Parle à nos cœurs, mon Dieu. Redresse ce qui était courbé. Restaure ce qui était abîmé. Fais-nous marcher dans les voies que tu as tracées pour nous. Ramène-nous sur les sentiers de la justice. Nous voulons bâtir sur le roc et non sur le sable. Laisse que ta parole nous attire à toi. Que ta parole nous amène là où tu es. Que ta parole nous fasse croître, Seigneur Dieu, au Père, dans le durable. Seigneur, agis au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Amène-nous à cette intimité profonde à laquelle tu nous appelles. Montre-nous le chemin là où, Seigneur Dieu, tout semble trouble dans le nom de Jésus. Fais-nous connaître ton nom. Enracine-nous, approfondis-nous en toi. Seigneur Dieu, que nous puissions marcher avec efficacité. Fais-le, mon Dieu, connais les pensées les plus profondes. Mais j'aime, Seigneur Dieu, tu ne fais pas que constater. Oui, Seigneur Dieu, là où tu nous as fait, tu as mis le doigt, Seigneur, tu ne t'arrêtes pas seulement à constater. Tu es aussi, Seigneur Dieu, celui qui agit, celui qui répare, celui qui montre la solution. Oh Dieu, donne-nous, Seigneur Dieu, la solution. Toi qui ramènes, Seigneur Dieu, des fleuves de Kébar. Toi qui mets en nous ton esprit et qui nous donne, Seigneur Dieu, d'accomplir tes commandements. Toi qui nous fais t'aimer, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, je prie que, Seigneur Dieu, ta voix qui est puissante, oh oui, relève, Seigneur Dieu, ce qui était brisé. Que ta voix qui fait enfanter les biches, oh Dieu de gloire, attire à la vie, Seigneur Dieu, ce qui était détruit. Fais-le, fais-le. Fais-le.
Merci pour ta parole. Merci pour cette parole vivante, cette parole efficace, tranchante. Oh oui, Seigneur Dieu, merci. Merci pour les buts qui sont atteints. Et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que ce soit, Seigneur Dieu, un résultat temporaire, mais que cela nous amène à la profondeur à laquelle tu nous appelles. Mets-nous en mouvement. Mets-nous en mouvement dans la bonne direction. Afin que nous soyons ton peuple. Que nous soyons ton peuple. Celui que nous voulons aimer et que nous aimons par ta grâce. Nous voulons, Seigneur Dieu, au Père, porter le fruit, Seigneur, que tu attends, Seigneur, que nous puissions porter. Enlève quelqu'un de la confusion qui était, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, son partage. Quelqu'un qui ne savait pas encore quel son il était appelé à jouer ou quel son il était, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tout devienne clair dans ta présence. Celui qui doit être piano, qu'il soit piano, Seigneur Dieu, selon toi. Celui qui doit être, Seigneur, batterie, qu'il soit batterie selon toi. Mais par-dessus tout, que ton caractère soit tangible et visible dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta fidélité, mon Dieu. À toi le règne et la gloire pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Je crois qu'on peut acclamer mieux que ça. Quelle parole, quelle dimension. On a navigué aussi bien dans l'enseignement que dans le prophétique. Je crois que Dieu nous a fait énormément de bien, que Dieu nous bénisse. Alors rapidement, si l'équipe d'accueil veut bien nous aider avec les offrandes, nous allons passer aux offrandes et puis nous allons conclure notre culte. Merci pour la chorale. Pour... Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Pour ces offrandes, Seigneur, qui ont été apportées dans ta maison. Seigneur, nous prions que ces offrandes soient agréées, Seigneur Dieu, par toi. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de les recevoir, Seigneur Jésus. Toi qui nous as donné la capacité d'apporter, nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci. Permets-nous encore, Seigneur, d'être fructueux, Seigneur, dans nos activités, que nous puissions encore apporter dans ta maison, afin que ta maison ne manque de rien. Bénis, sanctifie ces offrandes, mon Dieu, dans le nom glorieux de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous rappelons que pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, vous avez la possibilité de donner en carte bleue, donc auprès des hôtesses qui nous aident à cet effet. Alors, avant de conclure, nous voulons vous présenter en tout cas un frère qui nous rejoint ici à l'église. Il vient de l'Arche de l'Alliance où il était serviteur au niveau de la jeunesse. Et donc il est venu avec en tout cas la recommandation de Papa Israël. Donc vous savez que l'Arche de l'Alliance est aussi notre maison mère du côté du Congo. Et je veux le présenter. Si je vais demander au frère bienvenue de se lever. Il est ici pour ses études.
sois le bienvenu et nous prions que ton séjour ici, en tout cas, soit des plus merveilleux.